On a traversé le Sahara, traversé la métropole, traversé l'Atlantique pour souffrir. Vraiment, en tout cas, belle course. Bravo et bravo à tous les bénévoles. Et bah, j'en profite, tiens, si vous avez rien à faire au mois d'août, il y a une course qui s'appelle Pika Pika. 5 km, 10 000 mètres de dénivelé, ça se passe dans l'Ariège, exactement à Ozat. Soyez les bienvenus, tous les Martiniquais et tous les Guadeloupéens. Ok, merci, c'est sympa. Yvon. Alors, Sylvain, comment ça va? Impeccable. Tout va bien. La pluie est logique. Non. La pluie, c'est très bon, la pluie. J'aime pas le passage. Comment ça se passe? Ça va? Ça déconne? C'est bon? Ça va, ouais. C'est bon? Oui. Ça fait couvrir ma pluie dans ça? Car il y a encore de l'eau dedans. Ça fait C'est bien. Faut pas y vivre. Oui. Pas trop mal. Je vais faire troisième. Merci. Elle est loin la deuxième. Ah ouais. Ça fait un moment qu'il est passé. Ah ouais. C'est quel numéro, vous savez? Non. La blonde, elle est où? Elle est première ou deuxième? La deuxième. Pas mal, hein? Alors comment ça a été? Le premier tiers de la course est dur, hein. Ouais, ouais. Mais bon, on tient le coup. Non, c'est super, hein. C'est super. Est-ce que la Martinique, elle est belle? La Martinique est belle, mais je suis passé dans la forêt tropicale de nuit, malheureusement. Ah. Donc je suis en... Non, mais c'est magnifique. La semaine prochaine, je suis en vacances et j'y retournerai, quoi. Pas de soucis. Ok. Merci beaucoup. Tu te ravitailles pas? Ah oui. Ah,
Vous avez un sac? Ouais. Bonjour, merci, 99. 98. 38, pardon. 38 et le 9. Le 9. Eh ben ça va, des hauts et des bas comme d'habitude. Là ça va plutôt, alors bon, pas vu que ça dure. De nuit, comment ça a été? Ça a été, la pelée ça va, il a fait bien frais, le ciel était bien dégagé, c'était cool. Petit coup de mou après là, près du Cournant. Et puis après ça a été, Sainte-Cécile, nickel, et puis bah, voilà, ça a décidé. On veut que ça dure. Ça va, c'est dur quand même. Hein. Commence à avoir sommeil, c'est mauvais signe quand même. Mais bon, le temps d'arriver à Saint-Joseph au moins pour changer les chaussures. Ouais, parce que là c'était très humide. Comment ça a été? Ça a été. La montée, la pelée, là, il faisait un petit peu froid là-haut, on était dans le brouillard. Mais finalement, moins dur que ce que je pensais. Je pense que là ça va commencer les affaires sérieuses. Merci. Bon, appelle le coup, toi, mettez, frère, c'est. Ça va trop. Comment ça se passe? Ah, pour l'instant, bon, ça se passe bien. Un peu de boue, un peu de pluie, bon, ça va. Il n'y a pas de soleil, c'est lié à ça. Ok, bon, c'est bien. Pas de problème. Là, nous, il y avait la gageure.
Ah ben, c'est, il faut donner jusqu'au bout. C'est dur, dur. Ouais, avec la pluie, donc on n'a pas le choix. Il faut faire avec quoi. Goudou, pas trop goudou. Non, c'est quand même, c'est trop. C'est trop, ouais, c'est dur. Goudou. Par rapport sur la terre, ouais, c'est autre chose quoi. Okay. Ouais, ça demande plus d'efforts. Ah ouais. Ok, beaucoup à la fois. Merci. Non mais moi j'ai des options chez Denel, normalement j'ai une Lorraine qui m'attend fraîche. Eh ben on est bien, regarde, il pleut, humidité, fraîcheur, nickel. Ah ouais, parce qu'avec le soleil là, ouh, il chauffe. Et alors que là, Lorraine, on y va là, il y a normalement, j'ai un collaborateur intime qui m'a préparé une Lorraine. C'est vrai hein. Enfin merde, Royal, je bois pas de ça moi. On a du jus. On a des trucs. Non mais je vais aller remplir au robinet parce que le magnésium c'est. On a pas de magnésium. Quand j'étais à la remise des médailles, il y avait un bougla. J'ai bien fond, ouais, impec. C'est Royal. On a le soleil et tout. On va nous. Ouais. Ouais. Merci. Je suis sûr qu'il y en a une dans une glacière. Non, regarde, hey, tu peux pas, tu dis des bêtises. Regarde, il y a le carton, je le vois là. C'est vert, mais c'est pas Anken, hein. Ouais, je prends une Anken. Ouais. Je repars là. Ouais. Comment vas-tu? Ça va? Très bien. En pleine forme? Ah oui, ça va, mais il y a des hauts et des bas, c'est comme ça. D'accord. C'est l'ultra, c'est toujours comme ça, il y a des hauts et des bas, donc il faut gérer en fonction. Ouais. Donc, eh bien, vas-y, mon gars. Vas-y, merci. Ok, allez, tiens dur. Ok. Étoile, tu crois pas que je suis venu ici pour boire du coca, non? Sérieux? Pas de miaille, hein? Dégage. Mais c'est pas normal, il y a des bonhommes. Tu crois que les bonhommes, ils boivent de l'eau? Hein? Seul? D'accord. Ouais, ben, on va l'appeler pour qu'il puisse se rappeler. De temps en temps, une douche pour l'été. Ah d'accord, comment ça se passe? Bien, ouais, ça va, franchement,
Voilà quoi. Moi ça bon, mais mon bon j'ai roulé. Oui, non, si c'est pour qu'est-ce finir. Qu'est-ce que qui te alors comment ça va? Super, il fait super beau. En plus, donc on attend que Saint-Joseph là. Pour pouvoir se changer et mettre les vêtements de soleil. Alors ça va, comment ça s'est passé? Mouillé. Et la nuit, il a plu. Non, la nuit c'était super. La nuit c'était parfait. Super condition, que ce soit sur la pelée ou dans la jungle. C'était le principal, hein, choisir, je préfère ça. Mais là c'est vrai que depuis qu'on est sorti la trace des jésuites, là, ça alterne, des bonnes rincées. Bon, c'est le jeu, hein, c'est pas grave. Mais non, c'est super. Ok, de bonnes continuations. Merci beaucoup. Mouillé. Oui. Ouais, mouillé, mais au moins on n'a pas chaud, c'est bon. Ça va plus. Et puis la diagonale est plus en plus. C'est la même. C'est dur. J'attends le cagnard. Il n'y aura pas. Je ne vois pas trop le cagnard aujourd'hui. La météo annonce c'est la pluie. Ah, les conditions de temps, c'est catastrophique. Ouais. Comment c'était? C'est difficile, beaucoup de boue et puis énormément de pluie. En tout cas, ceux qui étaient encore dans la forêt quand la pluie a commencé, ils ont dû avoir du mal pour avancer. Ok. Voilà. Une bonne continuation. Merci beaucoup. Hein. Allez, allez, Christophe. Aïe, aïe, aïe. Ton bâton, pas besoin de corde. Ouais. D'accord. Ok. Tu vas te voir sur YouTube. Ah super, je regarderai alors. Sur la chaîne Transmartinique, hein. Super. C'est dur, hein. C'est dur, mais c'est bon, comment dirais-je, on aime ça, on revient à chaque édition. Tu as combien de participations? C'est la première participation, j'ai fait Tchimbé, j'ai fait pas mal de courses avant, pour une mise en jambe, pour avoir de l'entraînement, quoi. Pour... Et la course de nuit, comment ça a été pour toi? C'est plus matériel, c'est plus de la lampe, mais sinon, ça a été, ouais. C'est plus matériel. Petit défaut de matériel, quoi. Ouais. Mais la course en elle-même, c'est OK.